présente ceci Morgan von Bredan. Et on se retrouve sur Deathbulge. On va aller se friter le Lego de Glamourella. Wow. Et plus il mouille. Oh. Jure. Allez, c'est parti. Baston. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai pas compris ce qu'elle a fait. Face Melter! The Moon! Pow, pow. Oh! Ah, oh, c'est la lune! Headbang, c'est trop bien! C'est du génie! Alors, allez, ça qui soigne. Gap Slab, Tank Frenzy. Deux mesures de vitesse pour nous. Ouais, go. Pain. Moonlight. Oh oh! Oh! Peut verrouiller des mesures. D'accord, donc ouais, donc là, ils ont deux mesures de vitesse qui sont verrouillées. Je peux rien y faire jusqu'à ce que la lune soit battue. Bon, c'est bien beau de faire ça, mais... Ah ! Si derrière j'ai rien pour remplacer les mesures, ça change rien en fait. Les étoiles. Ah. Oh, mais il fait super mal! C'est alors qu'elle va verrouiller des trucs chez moi, c'est ça? C'est ça! Ils ont buté mon cuttlefish, mon prince pas grave. Elle a pas l'air de restaurer sa barre. Aïe! C'est hyper mal, secours! Merde, je viens de péter Brief là, n'est-ce pas? Non, mais pas loin. D'accord, c'est juste un truc qui a une chance de proc. Comment ça marche? Ça marche. Parce que là, ça m'a rien fait. On va essayer de continuer de pop ça. Attends, qu'est-ce... Oh, le solo! Ah, je brûle! Cependant, fini, je ne brûle plus. Ah, elle tape trois fois maintenant. C'est abusé.
C'est complètement abusé. Pourquoi vous voulez que je fasse quoi que ce soit? Qu'est-ce que je sais pouvoir faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va me faire là? Eh, c'est quoi ce qu'on a fait? Moins de hypergène et moins 30% de dégâts. Attendez, mais... Ah oui, si, si, voilà, on amplifie. Pas un truc qui rend un truc à... Non, hein. Tiens, soigne-toi un coup. Aïe. Il y a trois fois, elle tape tout le monde, c'est beaucoup trop fort. Qu'est-ce que je peux faire? Je passe mon temps à utiliser des objets. Ça fait combien de tours que j'ai pas attaqué? C'est complètement abusé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire une performance? Ok, ouais! Let's go! Let's go! J'avais oublié qu'il y avait ça! Ah, j'ai mal. Oh no, oh no, oh no. Oh shit, oh no. Subis la douleur. J'en ai fait longtemps ça. On va mourir. Bon, peut-être pas parce qu'elle en est full life, mais... C'est gagné? Non, c'est fini. Ah, c'est fini! Ah non! Au secours.
Et elle meurt pas, hein. Si ! On l'a eu ! Wow ! Oh, quel enfer ! De 4 à 86 dégâts. Qu'est-ce que c'est que cette fourchette ? Oh ! Oh, j'ai si mal ! Oh. Oh la vache! Elle tabassait, mais quelque chose de sévère! Bref. Oh les copains! Cette sensation, est-ce possible? Oh mon Dieu, vous l'avez vraiment fait! Merci, merci, merci! Je suis vraiment désolé de ne pas avoir cru en vous plus tôt. Avec un ego aussi horrible, il y a longtemps que je m'étais résigné à l'idée de rester ici à jamais. Mais vous avez réussi! Ah! Heureuse qu'on ait pu aider. Désolé de ne pas avoir répondu proprement auparavant. Honnêtement, j'avais vraiment du mal avec tout ça. C'est dommage que je ne puisse pas rester plus longtemps. Ne serait-ce que pour voir ce que vous arriveriez à accomplir. Parce que je suis sûr que ce sera formidable. Mais je suis si heureuse. Quoi qu'il en soit, je commence déjà à disparaître. Je vous adore. Allez, on va trouver un peu de repos. Merci! Elle disparaît ou... Oui, ok. Incroyable! Vous avez vraiment sauvé Gamourella! J'ai oublié quelle voix je faisais. Désolé d'avoir douté de vous. Vous faites vraiment quelque chose. Merci beaucoup. Grâce à vos efforts... On va pouvoir retirer la restriction de lockdown. Vous allez pouvoir utiliser l'ascenseur librement sans aucune carte clé. Ce qui inclut accès au Sky Deck. Je suis sûr que vous allez tous adorer. Et j'imagine que j'ai également demandé votre aide pour des raisons égoïstes. Pardonnez-moi. Après tout, le temps de travail d'un barman ne peut pas se terminer jusqu'à ce que le bar soit vide. Peu importe combien de temps ça prend. Une règle d'or que même la mort dont même la mort n'a pas pu me sauver. Et maintenant, grâce à vous, j'ai enfin fini ma journée. Au revoir. Ouh ! Par contre... Ce qui était... 30 Mais avant ça, on va y aller, mais avant... Oui, sauvegarde, mais surtout, bonjour, il faut du stock. Il me faut des PV. Oh putain. Bon, ça c'est une quête secondaire. Le vrai boss, il va être plus loin par là. Donc on va effectivement commencer par aller visiter le 30e étage. Il démarre de manière brutale quand même cet ascenseur. Hein. Waouh. Alors, Patch Glamourella. Nous apportons une chance d'invoquer une tempête qui lance des éclairs qui frappent les ennemis. Oh.
des dégâts mélodiques modérés. Ah oui, ça c'est... Oui, c'est le farm. Est-ce que je préfère ça? Voilà. Il est raillé. Quoi? J'étais convaincu que personne viendrait m'embêter ici. Vous êtes qui? Deathbulge. Ok. Yann, je crois pas qu'elle est trop disposée à discuter. On va y aller. N'importe quoi! Regarde, elle est en train de taper au clavier comme si c'était sa dernière heure. Elle doit être un de ses hackers! Une fois que j'aurai brisé la glace avec un peu de blabla technique, on devrait vite devenir amis. Mais tu connais rien en tech! Hey! J'adore ton processeur démonique, très cool! C'est un ordinateur portable. Eh, ça a combien de RAM ce truc, hein? C'est bon pour mettre les poissons en cache? Ah, s'il te plaît, dégage. Bah! J'imagine qu'elle est un de ces... Jax, comment tu traduis ça? Putain, comment tu traduis ça? C'est l'heure de sortir le trafic. Échec du paiement. Non mais ta gueule. Téléphone qui m'envoie des mensonges en notification. Alors. Jokes, parce que les jokes, normalement, c'est des gros balèzes qui font à la salle. Sportif. Disc jockey. Ah, c'est peut-être ça. Ou slip aussi. C'est ça, tu dois... Ça doit être un slip. Ah, il doit être un de ces sportifs sur cervelle. D'accord. Eh ben, ça valait le coup. Il démarre vraiment fort cet ascenseur. Ah tiens, ils sont un peu plus transparents que d'habitude, non? Enfin, pas là, mais... J'aurais peut-être dû commencer par... Doute. Miaou. Que t'as le dit? Les zombies. Ah. Rien du tout. Je vous défonce. Twing twing. Oh. Oh. Aïe. Oh putain, la violence. Oh vache, j'ai fait mal le Cuttle Bunny. Il est aussi mal que ça avant. C'est parce qu'on a level up. Ah, je veux dire, il précise pas quel stat il utilise pour faire ses dégâts, mais de toute façon, le buddy, il a ses propres stats qu'on voit en bas. Il utilise pas les stats de Fay. Ça, on l'avait déjà ouvert. Ah, c'est des ennemis qu'on avait déjà tabassés. Est-ce qu'on devrait farm l'XP? Un tout petit peu? Aïe. Cuttle Bunny, go! Grain. Ah,
Mega Pop Slap. C'était brief que je voulais sortir. Ah, hey, Shredder, vous allez brûler. Ah, ils ont pas brûlé. Ça l'a mis sur nous, pourquoi? Attends, je peux faire gaffe. Est-ce que Air Shredder a une chance de rater? Est-ce que j'aurais loupé ce truc crucial? Ah oui! Il y a une chance sur ça que je me le prenne dans la gueule! Merde! Putain! Oula! Il dit que pendant tout ce temps, j'étais là, ah, faut que je fasse gaffe, cet ennemi-là, il renvoie les trucs. Non, il renvoie pas les trucs. Waouh! On voit pas les trucs, c'est juste cette attaque-là qui a une chance de rater. Allez, dégage. Il l'a pas dégagé. Ah. Je croyais que ça allait vous sauver. Eh ben non. Aïe. Bam. Rien à foutre. Mega Pop Slap, toi t'as pas le droit d'agir, c'est non. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh! Non, non. Ouais, ça ne rapporte que dalle d'XP. On va peut-être commencer à les ignorer, ces trucs. Alors, ici. Mais c'est dans... C'est un endroit qu'on a déjà vu. Oh! C'est un endroit qu'on a déjà visité? J'en connais pas. Aïe! Aïe! Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Soigne? Il fait rien du tout. On lui casse la gueule? Ça, je peux faire. Shredder. Bien joué. Dire eux, leurs buddies n'occupent pas de place sur leur barre, c'est pas juste. On avait déjà visité cet endroit. Ah! C'est pas tranquille. Twang twang.
petit soin. Ça fait plaisir. Super scream. Aïe. Ça fait mal. Aïe. C'est agaçant. Je peux me casser quoi, Arthur? C'est gris. Tous les soins reçus augmentent de 30%. Oh. Et parce qu'il y a là, il y a les bébés. Je suis paumé, je suis pas à l'étage qu'il fallait que j'aille. J'ai abruti. Qu'est-ce qui se passe? Mais! Hein? Bon, j'ai dû me tromper d'étage, c'est pas grave, ça arrive. Je me suis de toute évidence trompé d'étage quand j'ai repris l'ascenseur. Ouais, je suis plus stock. Comme il y a des trucs ici? Je crois pas. Hein. Pas ceux que j'utilise, du moins. Elle est où celle de Glamour là? C'était pas un de ces trucs là? J'imagine que non. Sauvegarde. C'est un principe. Non, non, casse-toi. Hey, mais c'est Concrete Keith! Je le connais! C'est un catcheur. Hey, mais c'est un des persos de la bande originale. Ouais, c'est des refs au webcomic. Faut connaître. C'est des références au webcomic. Oh putain, ce pont. Ce pont. Comme si ce pont allait être le truc le plus chelou de ce bus. Je rappelle qu'on est dans un bus là. Hein. Pour ceux qui avaient oublié. Police. Wow. Plus marrant vu. On a réussi. Vous êtes sûr? On est vraiment au sommet là. Non, non, le sommet c'est au 30e. Et il y a peut-être genre 10 étages de plus. Ouais, à peu près. Je sais pas. Mais moi je vois ni escalier, ni pont, ni ascenseur. Donc je pense qu'on est bon. Un peu qu'on est bon. Ok, c'est bon, on a nettoyé tous les esprits. Tu rigoles, on a tout nettoyé. Oui, tout nettoyé. Donc, Cold sera satisfait. Ouais, donc on... Ouais, c'est l'heure de se piéter. Ouais. Enfin, du moins, ça sera le cas une fois qu'on aura bougé tous ces... coussins. Comment ça, bouger les coussins? Sans déconner, pourquoi est-ce que les lits de luxe ont toujours 40 putains de coussins? Mais c'est ce qu'on mérite, on est des héros! D'ailleurs, je pense même qu'il n'y a pas assez de coussins. Ouais, et ben, ce qui me concerne, ils vont tous par terre. Allez, on va se reposer. On va en avoir besoin. Alors ça,
Je voudrais prendre un moment pour dire à combien je suis fier de nous et de tout ce qu'on a accompli ici sur ce bus. On est vraiment un groupe fantastique. Ah. Ouais, Boy, bien dit. Bon boulot, tout le monde. Y a pas de boss. On a tabassé Glamourella, mais... Oh, quelle pièce! On pourrait mettre un peu de TLC, par contre. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein? Qui est là? Ah! Hey, salut! Attends, mais pourquoi vous avez ramené vos claviers jusqu'ici? Pour vous tabasser, bien sûr! Hein? Considérez ça comme un échauffement amical. Ah, cool, ça a l'air fun! Promettez-nous que vous n'allez pas vous retenir! C'est elle, le boss, ok. Parce que nous, on ne se reviendra pas. Oh ouais! Amenez-vous! Quoi? Ah, elle fait du cerf sur le clavier. C'est du génie. TLC. Tender Loving Care. Ah. On pourrait traduire ça par un nettoyage de printemps. Donc cette chambre a besoin d'un nettoyage de printemps. En même temps, personne n'y est venu depuis genre 10 ans. Le ménage doit effectivement pas être top. Wouh! Le Shredastic Death Bulge! Contre les... Putain, elle mélange des mots, c'est infâme. Contre les fabuleuses platines délicieuses. Une seule chose peut convenir. Une baston de groupe en bon uniforme. Baston de groupe. Ah, c'est pas un combat normal? Ah, elles se battent comme nous! Une personne à la fois, avec le reste qui est derrière. Ah. C'est trop cool. High heels. Alors, c'est rigolo parce que c'est un jeu de mots. High heels, ça veut dire talon haut et c'est ce qu'elle porte. Les heals, c'est aussi les soins. Par contre, on t'avait pas encore fait de dégâts, copine. T'as juste gaspillé ton tour, merci. Face Melter! Face Melter d'abord ou. Non, une petite sèche. On va vous sécher. Bring. Ah, et je peux quand même taper celle qui est derrière, mais ça lui fait beaucoup moins mal. Plus vite! Oh! Moins vite! Ok, donc délicieuse, elle buff. Et elle fait un peu mal. Je vais juste vous cramer la gueule. Doute. Prêt. Par contre, son icône elle fait peur un peu, hein, je trouve, en bas, sur la mesure. Plus fort! Ah, hein. Moins fort! Oh la pauvre! Vous avez tabassé Glamourella, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, pour l'instant, ça ne change pas beaucoup de place, hein, je trouve. Ah, j'ai mal! J'ai si mal. Elle encaisse, hein. Brillance. Ah. Bien joué, bien joué. Et en plus, le curseur est positionné du coup de telle manière que...
Si je remets des mesures, ça ne ferait qu'écraser ce qu'il y a déjà. Bien joué, bien joué. Elle encaisse. Je vous présente Platine. Ouh. Oh non, 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 non. Oh merde. On est dans la merde. Ah, oh, oh, le boule. Ah. Elle a mangé ma... Et merde. Je suis complètement abruti. Ah, mais j'ai pas vu, elle est en full vitesse, j'ai pas fait gaffe. Désir brûlant. Ah. Bad bitch. Aïe. Pain, pain, pain. Pain, pain. Ah, c'est quoi leur truc d'ailleurs? Amplification de platine. Augmente tous les dégâts infligés de 45%. Oh mama. Oh mama. Je peux invoquer un petit Cuttle Belly, ça marche? Brin. Ouais, non, ça me donne ce que je semblais, ça marche pas, parce que si elles sont en performance là. Leur effet de barre est verrouillé. Ah, ah! Le final? Ok. Gros soin. C'est pas grave. On remet d'autres doutes. Non, full vitesse. Et Harpleach. Soin. Plus vite. Ah ah. Moi je dis moins vite. Loupi hoopi. Bip, 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 bip. Moins vite. Et donc ça augmente tous les soins reçus de 30%. Donc là. Pas mal. Plus fort. Et ben moi j'envole. Cuttle Belly. J'envole. Brin. Hop là, pas d'amplification pour vous. Refusez. Ah. Et Platine était battue. Mais on a tabassé que Platine. Oh la vache, l'XP! Damn! Ils nous ont fait presque un niveau entier. Donc elle se partage la barre de vie? Comment ça marche? Parce que moi je pensais qu'on allait abattre une, puis l'autre. Comme nous quoi. On est tabassé que Platine. Waouh! Vous nous avez déglingué. Vous vous êtes bien battu. Ouais, c'était trop cool. Vous avez des sacrés attaques. Bah, j'ai bien aimé le moment où Délicieuse elle nous montrait son boule. Merci. Et qu'est-ce qui vous arrive? On pensait qu'on pourrait ignorer le tournoi pour un temps, s'éclater avec ses super tickets de bus première classe et... vous savez, profiter de la vie tant qu'on peut. Mais nous ne pouvons pas
supporter cette horrible inévitabilité qui... ne pourront plus supporter cette horrible inévitabilité qui arrive. Bref, la mort. Hein? Et cette bataille-là, est-ce que c'était pas trop trop cool, trop fun? Youpi! Ou j'ai loupé un truc? Désolé, Brief. J'apprécie que tu essayes de nous réconforter, mais... nous ne pouvons juste pas partager ton excitation pour le tournoi. Franchement, je trouve ça vraiment bizarre que tu sois aussi excité à l'idée de te battre à mort. Hein? Quoi? Quoi qu'il en soit... on s'est battu, vous avez prouvé que vous étiez plus fort, alors... allons-y pour de vrai maintenant. Au moins, on pourra le faire en privé, sans que tout le monde regarde. Non, vous êtes pas sérieux. Sérieuse. Achevez nos souffrances. Bien reçu. Yann. Non, Yann, t'arrêtes tes conneries. On ne bute pas les platines délicieuses. Alors ça te pose pas de problème de tuer Babi, mais les pâtisseuses, tout à coup c'est « Oh non, on peut pas !» Deux poids, deux mesures, hein. Ok, on va faire comme si j'avais rien entendu. Écoutez, nous, on est partis à confronter Apocalypse. On sait que c'est lui qui peut nous sortir de ce bordel, donc... Et on sait qu'il va être un ho-ho. Si on peut le forcer à défaire cette foutue malédiction, on n'aura pas à se battre à mort. Apocalypse ? Vous pensez vraiment avoir une chance ? Je veux dire... peut-être ? Bon, quoi qu'il en soit, une chose est sûre. On a de meilleures chances si on combat ensemble. Faye... je suis désolé de vous avoir mis Brief, Yann et toi, vous avoir infligé tout ça. Désolé de vous avoir convaincu de vous inscrire, désolé de vous avoir forcé à nous combattre. Je pense qu'on devrait redescendre. Damn. Effectivement, je remarque à gauche, Faye a viré pratiquement tous les coussins de son lit. Alors, tu comptes me parler de tout ça à quel moment? Brief, je... À mort? Mais pourquoi tu me le dirais pas? Pourquoi tu me l'as pas dit? Je pensais vraiment qu'on aurait pu... régler tout ça sans que t'aies à t'en inquiéter? C'était l'idée de Faye. Sois pas trop méchant avec elle, elle est juste débile. Yann! Ferme ta gueule, ma gueule! Ferme ta gueule! J'ai vraiment cru que... on était un groupe destiné à des choses formidables. Qu'on allait montrer le meilleur de nous-mêmes. Et comment ça peut être vrai si le groupe est rempli de trous du cul menteurs? Je suis dans le mauvais groupe. Wow. Peut-être que les platines délicieuses sont les amis avec qui j'aurais dû être depuis le début, hein? Ils sont bien plus heureux que vous deux. Pour un groupe de héros, elles sont plutôt balèzes pour perdre des combats. Vous deux, vous approchez plus de moi. Mon frangin avait raison. Ce groupe est naze. Ah. Un...
2 dégâts de maladie à tous les adversaires. Et nettoie 2 mesures sur ma barre. Ah, intéressant ça. Si on se prend des mesures à l'infini dans la gueule, on claque ça et ça nettoie. En même temps, non, c'est Yo. Quitte à virer des modificateurs négatifs, autant les remplacer par des bons. Ça, on sait déjà faire. La puissance de cette capacité augmente de 15% pour chaque effet négatif. Ah. Pour chaque effet négatif sur notre barre. Ouais, c'est vrai, j'aurais dû lui dire plus tôt. C'est difficile de penser correctement avec tout ce qui se passe. Honnêtement, qui pense correctement dans ce monde de tarés? On devrait peut-être le suivre? Non. Laisse-le passer un peu de temps, tranquille. Dieu sait qu'il en a besoin. Votre attention! Nous sommes arrivés à destination. Merci de descendre du bus. Merci d'avoir voyagé avec nous et passé du bon temps à Hoho. Mention spéciale pour nos passagers de première classe et de première classe Premium Plus pour nous avoir accompagnés dans ce voyage. Oh, on est déjà arrivé. Le temps passe quand tout part à volo. J'imagine qu'il est temps d'aller voir maman. Tu te sens prêt? Hein? Oh putain, j'avais complètement oublié. On y va, pour de vrai? Non, je suis pas prêt. Je serai jamais prêt. Je vais rester ici, passe le bonjour à maman. Allez Yann, c'est mieux si on y va tous les deux, ensemble. Ouais, peut-être. Allez, finissons-en. Fait frais ici. Ah, les passagers de première classe Premium Plus. Vous vous êtes bien amusés là-haut? Mec, ton bus a beaucoup trop d'étages. Par où commencer? Merci pour l'aide en tout cas. Hein. J'espère que ces lits luxueux valaient le coup de grimper. Ouais, ça, je peux pas dire le contraire. Mais tu devrais probablement réparer les toilettes aux étages inférieurs avant de faire un autre voyage. Hein? J'aurais juré que ces toilettes fonctionnaient parfaitement avant qu'on parte. Alors pourquoi il y avait un panneau hors service? De quoi vous parlez? Oh, c'est des resquilleurs! Je pense qu'on est arrivé. Hey! Quoi? Ouvre la porte, faut qu'on sorte! T'es dans le passage! Ah, wow, 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 wow! Allez, c'est eux. J'ai complètement oublié les voix que j'avais données. On aurait dû se planquer dans la soute à bagages. Hein? Ouais, j'ai pas eu de problème à dormir. Oui, eh ben... Ça, je sais pas. J'arrive pas à croire que tu t'es endormi. Tes ronflements auraient pu griller notre couverture. Bah, ça valait le coup. Je suis bien reposé et prêt à attaquer la journée. Eh, c'était le bon plan de mettre ce panneau hors service, hein? Ah, les salauds. Alors, on y est. Oh oh. C'est l'heure d'aller voir maman. Eh bah, c'était adorable! Quel dommage qu'il n'y a aucun signe de Bocalypse! Bon, bah tant pis, hein, on va reprendre le bus et retourner à Bobstead. Yann, allez! Elle était pas si horrible que ça, si?
Ouais, hey, on dirait qu'on a des... qu'on a des gens qui sont pas du coin. Oh putain, c'est maman. Oh putain. Oh putain, c'est maman. Ouh. Permettez-moi de vous faire la visite. Maman. Putain, mais... elle a des soutifs sur ses abdos. C'est du génie. Eh bien, mais ne dites pas que je vous ai fait peur. Je sais pas quelle voix lui donner, vraiment pas. Regardez-vous. Vous êtes vraiment... dégonflé. Y a pas une salle à la Bobstead? Ah quoi, mais non, j'ai de la masse, regarde. Ah, je t'en prie, avec mes gènes supérieurs, ce nombre, cette quantité de muscles, c'est le minimum vital. Je t'ai offert ce corps. T'étais supposé en faire quelque chose. Mais hé, c'est jamais trop tard, hein. Heureuse de te voir de retour. Est-ce que tu t'es enfin rendu compte que des muscles créatifs, c'est pas des vrais muscles? Ha, tu rêves. Ah, ne me parlez même pas de... Monsieur le catcheur pro devenu chauffeur de bus. Qu'est-ce que c'est là? La zone du potentiel gâché? Salut Iris. Ils se connaissent? C'est papa? Non, je pense qu'il l'aurait mentionné si c'était papa. Bon allez, assez discuté. Commençons la visite. Désolé, mais on pourra pas sauter la visite. On a beaucoup à faire, là. Mais ça ira, c'est une visite rapide, parce qu'il n'y a qu'un seul bâtiment qui compte. La salle. La salle. Allez, arrêtez de glander, on y va. Ok. Né. Ça va, mec? T'as un peu torse poil dans la neige. Bon, et ben au moins, avec Faye et Yann distrait, je vais pouvoir passer un peu de temps tranquille. Je crois que j'ai vu les platines délicieuses aller au bar. Je devrais aller discuter avec elles et demander à rejoindre leur groupe. Ah, je joue brief, hein. Salut. Salut. Est-ce que vous aurez la place de rester dans quelques fruits ou légumes? Oui. J'ai dit... Vous avez la place dans quelques fruits ou légumes? Non. Ok. Je peux pas sauvegarder? Elles sont mes copines, elles sont mortes. Hé, plus de minutes. Tu peux pas juste aller marcher sur la route. Tu veux retourner à Bobstead? Oui, il fait trop froid ici. Ou non, je reste ici. Eh ben, malheureusement, tu devras attendre. Mais pourquoi? Bah, parce que le bus n'est pas en service. Et puis, tu seras pas en train d'abandonner tes potes? J'ai déjà abandonné mes potes! Ok, pas besoin de gueuler. Je déteste la musique. J'ai voyagé jusqu'ici depuis Bobstead pour m'éloigner de la musique. Pourquoi personne ne m'a dit qu'un des plus gros groupes de tous les temps allait jouer à Ho-Ho? Maintenant tout le monde parle que de ça. Apocalypse ici, Apocalypse là, la ferme. Ouais. Bon. Comment je sauvegarde? Bonjour, excusez-moi, je voudrais sauvegarder, c'est possible? Ça marche? Ouais. Si j'ai pas besoin de sauvegarder, alors je peux continuer à jouer. Mais dans tous les cas, on va cesser pour l'instant. Je vous dis au revoir à tous et à la prochaine. Eh.
Ah non, je peux pas faire les muscles, c'est pas possible. Au revoir.